Ouais Francky, je suis en place. Vous êtes encore peu de côté. Eh mais qu'est-ce que vous foutez, bordel? Eh je te préviens, s'il nous glisse entre les doigts, c'est toi qui vas t'expliquer au commissaire. Embouteillage, embouteillage, j'en ai rien à branler moi. Bon, je te rappelle quand il sort. Ouais Francky. Maman? Oui maman, tu me déranges là. Je suis en filature. Quoi? Excuse-moi, je suis parti très vite ce matin. Et oui, j'ai pas vidé la machine. Maman, c'est vraiment pas le moment là. Maman! Je vous raccrochais là. Maman! Qu'est-ce que tu fais? Mais t'es trop con, arrête! Mais attends, arrête, c'est bon ça! Maman, je t'ai déjà dit que... Putain, t'arrêtes tes conneries, oui, c'est moi, Francky. Tu faisais quoi, bordel? Pourquoi? Mais parce qu'il nous est passé sur le nez en scooter. Mais tu faisais quoi, putain? Je croyais que tu devais me rappeler dès qu'il sortait. C'est que... J'étais au téléphone avec maman, excuse-moi. Non, arrête, sérieux, on va pas mettre ça, ça craint, là, c'est naze. Mais non, c'est top. Et puis, comme ça, après, dans la séquence suivante, il va se faire pourrir par le commissaire. Mais on est en train de niquer le film, là. C'est ce que la chaîne voulait. La chaîne a demandé aux prods de l'humour et de la dérision pour le numéro 2. Ils voulaient pas que ça devienne une sorte de franchise à la John McClane. On est en train de tout foutre en l'air. Il est ridicule, le style. Bon. Bon, allez, on avance, là. Vas-y. J'étais au téléphone avec maman. Quoi? Mais qu'est-ce que tu me racontes? Mais tu te fous complètement de ma gueule, là. Non, mais excuse-moi, Francky, mais elle m'a pris la tête. Non, c'est ma faute. C'est moi qui le dirai au commissaire. Ok. On se rejoint à la boutique. À plus. Mais merde, putain! Et hop là, une bonne vieille merde sous la godasse, allez. Bah, je vois que tu te lâches, ça y est? Ouais, bah finalement, t'as raison, hein. C'est la chaîne qui paye pour écrire ses conneries, hein. Mais bon, ça me fait chier quand même, j'aimais bien Steve, quoi. Et alors, ça change rien? Ah, mais je veux dire, j'aimais bien ce qu'on avait créé, quoi. Son côté cool, sa tchatche. Le côté black exploitation qu'on avait su amener, alors que bon, on est dans un film français quand même. Et là, on est en train d'en faire une grosse quiche, quoi. Le public, il va nous détester vraiment. Mais non, au contraire. Ils vont dire qu'on a renouvelé totalement le personnage en le réinventant, et qu'en plus, on fait pas ça pour le fric. Et puis, il y a la fusillade dans le supermarché, la course-poursuite sur les quais. Ouais, la scène de cul avec la bombasse de la bijouterie. Bon, putain, faut qu'on finisse là, j'ai dit au prod qu'on lui enverrait la nouvelle version dans la soirée. Ouais, commence à m'énerver, c'est des connards. Allô? Allô Steve, c'est maman. Oh ta gueule! Arrêtez de vous marrer, bande d'enfoirés. J'entends tout là. Ça vous amuse de foutre de ma gueule? Ah, vous êtes payé plus cher pour faire ces conneries, c'est ça? Bah j'en ai rien à foutre moi, je m'assois par terre. Plus bouger, jusqu'à ce que vous m'ayez réhabilité. De toute façon, vous toucherez pas une thune, je dis bien une thune, si je refuse de bouger mon cul et de vivre cette connerie. Attends, on fait quoi là? Non mais c'est bon, il bluffe. Fais-le remonter dans sa voiture pour voir. Écoutez-moi bien les deux blaireaux. Je veux venir, on va s'expliquer. Je sais où est votre burlingue. Même pas la peine de vous planquer. Non, putain, c'est pas possible, c'est un personnage. Il n'existe pas. On va pas avoir peur d'un mec qui sort de notre imagination, bordel. Ouais, on est trop cons. Et tu sais quoi? Si on le faisait changer physiquement. Quoi? Mais oui, au tout début du scénar, on dit qu'il a changé physiquement, il a beaucoup changé. Et... je sais pas, moi, suite à une longue maladie, il est devenu tout maigre. Non, bah, on va pas faire ça. Si, vas-y, essaye, reviens à la première page et change. Bon, j'arrive, les deux connards. 12 rue du Château, c'est ça? J'arrive, on va s'expliquer. Mais pourquoi vous faites ça? J'ai bien fait mon job au premier film. Vous vous êtes fait plein de thunes grâce à moi et là, vous êtes en train de tout faire foirer. Dites-vous que si je suis ridicule, vous serez ridicule aussi. C'est vous qu'on pointera du doigt. C'est vous, les auteurs. Moi, je suis qu'une putain de marionnette. Ça vous dit pas qu'on fasse un bon polar à l'ancienne, comme le premier? C'est ce que les gens veulent voir. Faut leur en donner pour leur argent. Putain, on fait quoi? Je sais pas. Vas-y, appelle le prod. Dis-lui qu'on veut pas écrire cette merde si on repart pas du début. Avec le cahier des charges qu'on avait pour le premier film. T'es sûr? Ouais, sûr. J'ai pas envie de faire une daube. Ok, je te suis. Merci les mecs. Merci les mecs.